Zambé, malabou, malaboué, Zambé, malabou, mingé, Zambé, malabou, Zambé, malabou, malabou, mingé, malabou. Nathalie, bon, moi, Zanga, Nathalie, l'hypothèse, Nanga, Nalabia, Zambalaboué. Malamoué, malamou, zambé, oh zambé, zambé, malamou, oh zambé, malamou, malamou, zambé, malamou, bigé, oh zambé, malamoué, oh zambé, malamou, malamou, bigé, malamou, lelo na sosoli. Yes, I dire que le Dieu Tout-Puissant est bon et merveilleux pour encore cette opportunité qui nous permet d'avancer devant son trône. Que chacun de nous puisse ramener son cœur pour écouter l'éternel Dieu. Encore, nous allons lui dire encore merci pour ce matin agréable. Merci parce que l'éternel Dieu encore veut nous parler. Merci parce que tu m'as choisi, moi. Merci parce que tu me donnes cette opportunité. Alors l'éternel, je te loue encore. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Sois loué, Père de gloire. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Me voici devant toi, éternel. Enfin, quand tu puisses me parler, tu m'as choisi, Seigneur, ce matin, que je puisse entendre ta voix, que je puisse entendre ta parole. Seigneur, tu m'as choisi, moi, Père, pour cette opportunité, merci. Pour ce moment occasionnel, merci. Pour ce moment créable, merci. Seigneur, je ramène mon cœur devant toi pour que tu puisses me parler. Éternel Dieu, sois loué. Éternel Dieu, sois loué. Éternel Dieu, sois loué. Père, parle-moi encore. Merci, Père de gloire, parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur, au-dessus de tout, ô Elohim. Sois loué, sois exalté. Jésus-Christ, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Si je regarde beaucoup, ils sont encore dans leur lit, ils sont dans les endroits négatifs. Ils sont encore parfois, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, dans quelconque, Seigneur, mon Dieu, moment où je ne sais pas. Mais l'éternel, tu me fais ramener encore devant ton trône ce matin. Papa, merci en cela. L'honneur, la puissance, la gloire soit rendue à ton Seigneur. Gloire à toi, le Dieu vivant. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque nous avons prié en action de grâce, en rendant gloire à Dieu, nous avons dit à Dieu, Seigneur, merci parce que ton œuvre à la croix pour moi était vraiment, vraiment agréable. Lui qui avait ramené tout le péché à la croix afin que nous, aujourd'hui, nous soyons libres. Nous l'avons dit merci. Nous avons été reconnaissants, reconnaissantes. Mais si nous regardons, nous sommes toujours en train de continuer à pécher. Nous continuons toujours à pécher. Mais oh, que notre Seigneur Jésus-Christ avait ramené déjà nos péchés à la croix. Alors, à tout moment de notre vie, heureusement par la grâce du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il a dit, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il nous permet toujours d'approcher devant lui pour demander toujours pardon. Lui, il a dit, je suis lent à la colère, je suis riche en bonté. Alors, du fait qu'il est lent à la colère, riche en bonté,
L'Éternel nous permet encore ce matin, vous et moi, de pouvoir encore nous approcher devant lui pour demander pardon, pour demander la grâce du Seigneur. Parce que si nous voyons nos vies, nous ne sommes tantôt pas dignes. Si nous sommes encore ce matin ce que nous sommes, c'est la grâce du Seigneur. Si nous sommes appelés ce que nous sommes appelés, ministres ou servantes, serviteurs de Dieu, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par notre propre volonté, ce n'est pas par notre propre effort. Parce que si nous regardons nos œuvres, nous ne sommes pas dignes. Si nous regardons nos conduites, nous ne sommes pas dignes. Ce matin, l'Éternel veut encore nous parler dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36, de 16 à 36. Le thème est intitulé « Ayez honte de vos conduites ». Amen. Alors si la sœur de Thie peut lire la parole du Seigneur, Ézéchiel chapitre 36, versets 16 à 36. Ézéchiel 36, versets 16 à 36. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils d'homme, ceux de la maison d'Israël, quand il habitait sur leur territoire, l'ensuyaient par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la suie de la femme indisposée. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient répandu dans le pays et des idoles dont ils l'avaient suyé. Je les ai disséminés parmi les nations et ils ont été dispersés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils se rendaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu ménager l'honneur de mon saint nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle s'est rendue. Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos suies et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que je donnais à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos suies. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit de champs, afin que vous ne subissiez plus les déshonneurs de la famille parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos horreurs. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. L'Éternel, reconnaissez-le. Ayez honte et soyez confus de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai la ville et l'on rebâtira sur le ruine. La terre désolée sera cultivée au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, ces pays désolés et
jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. Les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi, l'Éternel, je rebâtis ce qui était abattu et planté ce qui était désolé. Moi, l'Éternel, je parlais et j'agirai. Amen. Amen. Acclamons Dieu. Amen. Amen. Le peuple israélite était un peuple élu, un peuple choisi, un peuple de Dieu, auquel ils étaient dans la ville de Jérusalem. Et que Dieu a dit dans cette ville, je mettrai mon nom. Israël était un peuple aimé par Dieu. Mais suite à leur désobéissance, suite à leur mauvaise conduite, suite à leur souillure, suite à leurs impuretés, la Bible dit comme une femme pendant son moment de menstruation. Donc une femme pendant son moment de règles, imaginons. Donc Israël s'est comporté ainsi. Alors pendant tout ce moment, l'Éternel Dieu a dit au peuple israélite de se conduire comme il faut. Mais ce peuple a été désobéissant. Ce peuple s'est rébellé devant le Seigneur pour se conduire comme il voulait, selon leur volonté. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Puisque vous vous êtes mal conduit, j'ai envoyé mes prophètes, j'ai envoyé mes messagers, vous ne les avez point écoutés. Alors j'enverrai le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, de pouvoir assujettir votre pays, votre ville, ma ville sainte. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone est venu. Il a assujetti le pays, la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'or, tous les trésors qui étaient dans la maison du Seigneur. Il a brûlé la maison du Seigneur. Il a mis en ruine la terre d'Israël. Il a mis en désastre la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple israélite n'a pas voulu écouter la parole du Seigneur. N'a pas voulu écouter les commandements du Seigneur. Ils étaient à la merci du diable. Ils étaient à la merci du roi de Babylone. Le roi de Babylone est venu. Il a siégé. Le roi de Babylone est venu. Il a dépouillé. Le roi de Babylone est venu. Il les a amenés en captivité à Babylone. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu les a livrés. Ce peuple était un peuple élu. Ce peuple était un peuple saint. De leur façon, ils ne devaient pas se souiller. Ils ne devaient pas souiller le nom du Seigneur. Ils ne devaient pas se comporter de cette façon devant le Seigneur, devant leur Créateur. Mais ils se sont permis de se conduire ainsi par leur propre volonté. Alors le Seigneur, à tout moment, il leur a parlé, il leur a dit, revenez à moi, je suis lent à la colère, je vais vous pardonner. Le peuple n'a pas écouté. Le diable est venu entrer. Il a pris le peuple et l'a emmené en captivité pendant des années et des années. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas la parole du Seigneur. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit par vos mauvaises œuvres, il a dit par vos mauvaises conduites, parce que vous avez profané mon nom. Ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas à cause de vous que moi, l'Éternel, je vais faire des bonnes choses ce matin. Je vais faire des bonnes choses à elle. Bien que vous avez souillé mon nom, bien que vous vous êtes mal comporté, mais ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de mon saint nom. Il leur a dit, c'est à cause de moi, non à cause de vous. Nul ne peut dire que non, c'est à cause de moi, moi israélite, que tel, un tel, que le Seigneur aujourd'hui veut parler encore de bonnes choses, veut m'accorder encore la faveur, veut encore me pardonner, veut encore me remettre dans l'état, veut encore me bénir. L'Éternel a dit non, c'est pas à cause de vous. Il leur a dit, je veux vous faire grâce aujourd'hui. La grâce leur a été permis, leur a été donné. Et ce matin encore, notre Dieu nous dit, ce n'est nullement à cause de nous, à cause de toi, à cause de moi,
que nous sommes ici, c'est pas parce que nous sommes ici ce matin. Nous sommes ici présents devant lui, que nous le chantons, que nous le prions, que l'éternel Dieu est en train d'agir dans notre vie. Ce n'est pas par notre grâce, ce n'est pas par notre propre volonté. L'éternel a dit, ce n'est pas à cause de toi et moi, mais c'est à cause de son saint nom que l'éternel veut agir encore ce matin au milieu de nous, à cause de nos péchés, à cause de nos souillures, à cause de nos impuretés. Amen. Ce n'est pas à cause de toi et moi. Ce n'est pas parce que tu as appelé ce que tu as appelé ce matin ou dans ta vie que l'Éternel veut agir. Ce n'est pas à cause de nos œuvres bonnes que l'Éternel veut agir, mais c'est à cause de nous. Mais il a dit quoi? Ayons honte de nos conduites. Comment nous sommes en train de nous conduire? Comment nous sommes en train de nous comporter? Comment nous sommes en train de proclamer le nom du Seigneur? Comment nous sommes en train d'utiliser ce nom du Seigneur? Avons-nous sanctifié ce nom? Est-ce que nous sommes en train de sanctifier ce nom? Ils n'étaient pas en train de sanctifier ce nom. Pour ce peuple, ils l'ont profané. Pour ce peuple, ils l'ont souillé. Pour ce peuple, ils l'ont mis en désolation. Vraiment désolant pour le Seigneur. Alors il a dit, ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de mon saint nom, parce que je veux le sanctifier. Alors si nous regardons nos vies, tantôt nos comportements, nos agissements, l'Éternel nous fait grâce, ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Nous sommes là toujours devant sa face. Mais c'est à cause de son saint nom. Pourquoi? Parce que nous avons souillé son nom. Nous avons répandu du sang. L'Éternel a dit, le peuple israélite a répandu du sang sur l'idolâtrie. Ils se sont emmenés à l'idole. Pourquoi? Parce que c'était leur volonté. Parce qu'ils voulaient se comporter ainsi. À Babylone, ils étaient esclaves. À Babylone, ils faisaient tout ce que le roi de Babylone leur disait de faire. À Babylone, le roi de Babylone faisait tout ce qu'il avait envie de faire. Le roi de Babylone, il voulait faire et il faisait tout ce qu'il voulait faire dans leur vie. Et aujourd'hui, si je vous dis que le Dieu Tout-Puissant, si nous nous écartons de lui, si nous nous comportons mal, alors notre Seigneur, notre Dieu, nous livrera à la merci du diable. Alors le roi de Babylone viendra assiéger nos vies. Viendra assiéger la ville sainte de Jérusalem qui nous représente notre vie. Alors le roi de Babylone viendra dépouiller tous les trésors que l'Éternel a mis en nous. Quels sont ces trésors que tu as, toi et moi? Les dons que nous avons, ces qualités divines que nous avons, ces bonnes choses de la part du Seigneur que nous avons. Alors le roi Nabuchodonosor a dépouillé. Amen. Si nous nous sommes comporter ainsi tel que le peuple israélite. Si nous profanons le nom du Seigneur Jésus-Christ, si nous ne le sanctifions pas, nous le rendons impur, comme on a dit, pendant la période d'une femme, pendant ses règles. Imaginons un peu. Roi Nabuchodonosor voulait faire, devait faire, et il faisait tout. Il y a eu des blocages dans leur vie. Il y a eu la famine dans leur vie. Il y a eu la sécheresse dans leur vie. Mais j'en suis sûr, ce peuple, ils étaient toujours là. Il y en a qui pleuraient. Il y en a qui étaient mon fou. Il y en a qui pleuraient, Seigneur, Seigneur, regarde maintenant. Tu nous as abandonnés. Tu nous as laissés entre les mains de cet homme. Regarde, il est en train de faire ce qu'il a envie de faire. Et aujourd'hui, parfois, nous nous disons ça. Lorsque nous sommes bloqués dans nos vies, lorsque nous sommes, nous arrivons à la fin, lorsqu'il y a des famines, lorsqu'il y a des choses quelconques, nous nous disons, Seigneur, mais pourquoi tout cela m'arrive? Seigneur, mais pourquoi tout cela m'arrive? Pourquoi? Nous sommes dans le pourquoi. Mais heureusement, l'Éternel est là. Il est le parce que de nos pourquoi. Amen. Amen. Alors, du fait que nous nous disons pourquoi, c'est, nous ne nous rappelons pas que non, c'était parce que nous nous sommes mal conduits devant lui. Alors, le Seigneur, il a dit, ayez honte de vos conduites, de nos conduites. Parce que ce n'est pas à cause de vous que je veux faire ça. Parce que si ce n'était qu'à cause de vous, vraiment j'allais vous livrer vraiment jusqu'à l'infini entre les mains de Nabuchodonosor. Et en aucun jour, vous allez avoir la liberté. Et si aujourd'hui, l'Éternel ne fait pas à cause de son nom, bien aimé, sachons-le que
nous serons toujours à la merci du diable. Le diable fera tout ce qu'il a envie de faire dans nos vies. Il va bloquer nos vies en ruine. Nos terres seront dévastées. Il y aura la ruine à tout moment dans nos vies. Mais heureusement, ce Dieu est amour. Heureusement, ce Dieu est miséricordieux. Heureusement, il est lent à la colère. Il a encore des bonnes paroles pour nous ce matin. Amen. Amen. Il a dit non, mon peuple, je vais vous sauver. Vous êtes mes élus, un royaume des sacrificateurs. La ville sainte à laquelle j'ai placé mon nom, ô Jérusalem. L'Éternel pleure sur Jérusalem. Il dit que non, je ne veux pas que cette ville soit détruite jusqu'à la fin. Non, je ne veux pas, mais je vais sauver mon honneur. Je vais sauver mon nom pour que le diable sache et que le monde sache que moi, l'Éternel, je suis Dieu. Que moi, l'Éternel, je suis merveilleux. Que moi, l'Éternel, je suis ce que je suis. Et que le diable ne pourra pas mettre plus bas que terre mon peuple. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ces paroles sont là pour toi et pour moi. Leur sort était là. Leur sort était là. L'Éternel a répandu sa fureur. Nous voyons lorsqu'ils étaient dans ce pays-là. Ils étaient là. Donc comme des vagabonds. Ils étaient là. Donc comme des gens. Comme s'ils n'avaient pas un père. Or qu'ils avaient un père. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les avait abandonnés. Le Seigneur Dieu les avait abandonnés. Alors ne cherchons pas assez que l'Éternel puisse aussi nous abandonner. Ne cherchons pas que la fureur du Seigneur continue toujours. Tantôt sa fureur est déjà là sur nous. Tantôt nous voyons il y a des blocages. Nous n'allons pas dire que non, c'est l'Éternel qui a permis que le diable puisse nous toucher. C'est l'Éternel qui a permis que le roi de Babylone puisse venir nous assiéger, puisse venir nous dépouiller, puisse voir que non, nous sommes dans le néant. Et que nous avons plus de la part du Seigneur. Et que ces qualités-là, et que ces dons-là, parfois, il n'y en a plus. Tantôt, nous sommes là, nous prions. Il y a des serviteurs, nous sommes là, nous prions. Mais tantôt, il n'y a plus rien en nous. Le trésor de Dieu n'est plus en nous. Parce que le diable a déjà dépouillé. Parce que le diable est déjà assiégé. Parce que le diable est déjà dévasté, ravagé, mis en ruine. Oh, Jérusalem, ville sainte. Oh, peuple de Dieu, jusqu'à quand voudrons-nous que le roi Nabucodonosor continue à nous dévaster, continue à nous terrasser, continue à enlever, à arracher ce que Dieu nous met en nous. Aujourd'hui, tantôt parfois, nous étions là des hommes puissants, des serviteurs puissants, mais aujourd'hui, nous sommes vides, nous n'avons plus rien de la part du Seigneur. Et sachons-le que si nous n'avons plus rien, le diable viendra à tout moment pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Amen. Alors ne cherchons pas à perdre ce qui est en nous. Ne cherchons pas à permettre le diable à venir nous toucher. Pourquoi? C'est à cause de nos mauvaises conduites. C'est à cause de nos mauvaises œuvres. Peuple israélite, c'était à cause de leurs mauvaises œuvres. Alors le Seigneur est là ce matin, comme il était pour le peuple israélite, disant quoi? Je vais sanctifier mon nom. Je vais vous retirer du pays d'où vous étiez. Donc le peuple israélite à Babylone, l'Éternel veut le retirer et le ramener à la case du départ. Vous et moi, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que maintenant nous sommes? Alors que l'Éternel nous a fait placer là dans la ville sainte, l'Éternel veut que nous puissions rester à Jérusalem. Mais nous ne sommes plus à Jérusalem, nous sommes partis où? Cela veut dire nos conduites sont comment? Nous partons où? Vers quelle direction? Nos façons d'être, c'est comment?
L'Éternel nous a placés dans la Jérusalem. Nous restons là. Nous devons garder ses trésors dans sa maison. Et non que Nebuchadnezzar vienne pour pouvoir brûler sa maison. Amen. Amen. Et non pour pouvoir que le diable vienne continuer à nous toucher. Non. L'Éternel nous a placés à Jérusalem. C'est là qu'il va placer son ange en éternité. De l'éternité en éternité. Ce n'est pas à Babylone. Babylone qui nous représente du péché. Babylone qui représente toutes choses mauvaises. Alors, sommes-nous à Babylone? Sommes-nous à Babylone? Non, mes bien-aimés, revenons à Jérusalem. Peuple de Dieu, revenons à Jérusalem. Cherchons ce que Dieu puisse nous faire venir, revenir à Jérusalem. Mais heureusement, il a dit, il va nous retirer de là où nous sommes. Quelles sont nos iniquités? Quelles sont nos œuvres qui ne plaisent pas à Dieu? Mais il veut nous ramener dans la sainteté. Amen. Amen. Il veut nous ramener dans la droiture. Amen. Amen. L'Éternel est bon. Il est vraiment merveilleux. Il ne veut pas que nos pieds chancellent à tout moment. Celui qui nous garde, c'est lui, notre Seigneur. Il veut que nous puissions être de peuple élu, comme il nous dit, des sacrificateurs pour son royaume, sacerdoce royal, offrir nos corps pour Dieu qui va nous ramener à la justice et non offrir nos membres dans les péchés. L'Éternel ne veut point cela. Il ne veut point cela, bien-aimés. Il veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Mais il a dit, il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre que non, nous puissions nous décider qu'aujourd'hui, moi j'arrête, moi je veux bien me conduire, moi je veux bien me comporter, mais lui il a déjà pris la décision ce matin pour toi et moi, comme il avait pris pour le peuple israélite, que non, je veux sanctifier mon nom. Amen. Amen. Aujourd'hui, il veut sanctifier son nom. Il a dit qu'il va reprendre son nom pur au peuple israélite. Il va reprendre son nom pur pour les purifier de leurs souillures, pour purifier de ses impuretés, laver une femme pendant son moment de menstruation, qui est pendant sa période des règles, les laver, nous laver complètement, totalement. Mais il a dit quoi? Ayons honte de nos conduites. Quelles sont nos conduites? Quels sont nos comportements? Ayons honte. Nullement et nulle personne ne peut dire que non, c'est par ma grâce et c'est par moi-même que ce matin, l'Éternel veut me purifier. La Bible a dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors nous tous, le fait que nous péchons, alors la gloire de Dieu tantôt n'est plus en nous. Mais nul ne peut dire que c'est par sa propre grâce. Amen. Amen. Mais par la grâce du Dieu Tout-Puissant qui nous accorde ce matin, à vous et à moi, au peuple de Dieu, de pouvoir nous purifier, de reprendre son eau pure pour nous laver. Amen. Amen. Voulons-nous vraiment être lavés? Voulons-nous vraiment être purifiés? Ou voulons-nous toujours rester à Babylone? Ou voulons-nous toujours rester chez Nebuchadnezzar? Ou voulons-nous revenir à Jérusalem, la ville sainte, peuple saint, élu de Dieu, peuple acquis? Là, le livre de 1 Pierre, chapitre 2, 9. Voulons-nous vraiment? L'Éternel a des plans merveilleux pour nous, heureusement. L'Éternel ne veut pas nous imputer nos péchés. Mais l'Éternel a des bonnes choses pour nous. Non seulement nous conduisons mal, non seulement ce peuple s'est mal conduit, mais il le met toujours dans son cœur.
Non seulement bien-aimés, nous nous conduisons toujours mal, mais notre Dieu nous aime toujours d'un amour sincère et pur. D'un amour qui nous fera toujours du bien. Qu'est-ce qu'il a encore dit dans sa parole qu'il va nous donner, qu'il va leur donner un cœur nouveau? Ce peuple, il s'était raidi devant le Seigneur. Regardons à l'époque de Moïse. La Bible dit que le Seigneur a dit que ce peuple a un cou raide. Alors moi, l'Éternel, qu'est-ce que je vais faire? L'Éternel, il les avait mis en ruine suite à leur rébellion, suite à leur conduite mauvaise, suite à leur cou raide. De même, peuple israélite, continuer à raidir leur cou devant le Seigneur. Ce peuple continue à être toujours rebelle devant le Seigneur. Bien-aimés, ne continuons pas à être rebelles devant le Seigneur. Continuons pas à raidir nos coups devant le Seigneur. Mais heureusement, il a dit, je vais mettre un cœur, vous donner un cœur nouveau. Le Seigneur, ce matin, va encore nous donner un cœur nouveau. Regardons nos cœurs. Il a dit, je vais enlever le cœur de pierre pour pouvoir mettre un cœur de chair. Amen. Amen. Et ce cœur de chair, jamais ne peut pas accepter les commandements du Seigneur. Mais au contraire, il sera toujours là pour pouvoir accepter ce que l'Éternel est en train de dire. Amen. Amen. Mais le cœur de pierre est un cœur qui est fermé, est un cœur qui ne peut recevoir le commandement du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, ouvrons nos cœurs pour Dieu. Un cœur de pierre est une arme très terrible. Mais un cœur de chair est une âme qui va recevoir. Et lorsque nous allons recevoir, l'Éternel Dieu est là pour nous bénir. Il a dit que ces commandements-là ne sont pas loin de nous. Ce ne sont pas dans le ciel, mais ils sont près de nous. Ils sont dans nos bouches, dans nos cœurs. Bien-aimés, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. L'Éternel est là pour pouvoir encore renouveler nos cœurs. Nos cœurs doivent être renouvelés. Mais nous seulement, regardons nos conduites. Regardons nos façons. Il est là, il veut renouveler nos cœurs pour pouvoir placer encore ses paroles, pour pouvoir placer encore ses commandements et pour pouvoir encore nous faire élever, bien-aimés. Amen. Il a dit, lorsque je vais mettre mon cœur de chair dans ce peuple, ils vont reconnaître que non, je suis toujours leur Dieu. Ils vont avoir crainte de moi. Amen. Amen. Celui qui n'a pas un cœur de chair n'aura jamais crainte du Seigneur. Mais celui qui a un cœur de pierre, il n'aura pas de crainte du Seigneur. Mais un cœur de chair aura crainte du Seigneur. Et le Seigneur le bénira. Et le Seigneur l'élèvera. Et le Seigneur avancera avec lui. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, cherchons à ce que l'Éternel puisse renouveler encore chacun de nous, renouveler encore nos cœurs. Il a dit, c'est lui qui l'a dit, c'est pas nous qui venons pour pouvoir demander, oui Seigneur, donne-moi un cœur. Parfois nous sommes en train de demander pardon, mais ces pardons-là sont peu. Nous prions, nous demandons parfois pardon. Il y a des moments où, oui, nous pardonnons nos prières, mais pardon. Mais tantôt, ce n'est pas assez devant notre Seigneur. Amen. Amen. Mais ce matin, lui-même, il s'est décidé. Il est descendu, il descend de son trône. Hein. Il vient encore ce matin au milieu de nous pour dire encore, mon peuple, ô Israël, je vais vous donner un cœur de chair. Un cœur nouveau. Alors, bien-aimés, ouvrons nos cœurs. Enlevez ce cœur-là de pierre pour pouvoir accepter, recevoir les ordonnances que l'Éternel à tout moment mettra dans nos vies. Amen. Amen.
à cela, nous ne verrons jamais Nabucodonosor venir encore nous toucher. Nabucodonosor venir bloquer nos vies. Nabucodonosor venir nous emmener dans l'impureté. Oh, souillez le nom de notre Seigneur. Car souvenons-nous, nous sommes un peuple saint. Amen. Non, mes bien-aimés. Non. Ne voulons pas, ne cherchons pas. Tantôt si nous voyons que non, ça ne marche pas dans nos vies, c'est à cause de nous-mêmes. Nous voyons que nous ne sommes pas élevés dans les vies chrétiennes. C'est à cause de nos mauvaises conduites. Tantôt si nous voyons que ce que nous sommes en train de faire n'aboutisse pas, c'est à cause de nous-mêmes. Mais le Seigneur Dieu a dit aujourd'hui, oh mon fils, ma fille, je vais te purifier. Je vais répandre mon nom pour te purifier. Je vais me sanctifier. Parce que s'il ne se sanctifie pas, jamais il va faire aussi dans sa vie, dans ta vie et dans nos vies. D'abord, il faut qu'il sanctifie son nom. Alors, il faut qu'il rende son nom saint. Son nom doit revenir saint. Parce que nous l'avons souillé. Jusqu'à quand nous allons vouloir continuer à souiller le nom de notre Seigneur? Ce matin, l'Éternel a dit, non, je veux me sanctifier, je veux me purifier, je veux répandre en vous mon esprit. Bien-aimés, on nous dit à tout moment, nous avons l'Esprit Saint de Dieu, oui. Mais lorsque nous nous conduisons mal, le Saint-Esprit de Dieu, il est en train de s'attrister, alors il s'écarte, il laisse accès au mauvais esprit, amen. Amen. Et quand le mauvais esprit vient, regardons ce que ça va faire. Allons-nous prospérer? Allons-nous avancer? Allons-nous recevoir de la part du Seigneur? Le Seigneur écoutera toujours nos prières, nos voix. Ses oreilles seront toujours attentives. Ses yeux seront toujours pour nous voir. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Cherchons toujours que cet esprit-là, nous, qui l'avons, continue à être agréable, continue à être heureux. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en nous, quand il est en train de se réjouir, nous aussi nous nous réjouirons extérieurement, intérieurement. Mais quand l'Esprit de Dieu ne se réjouit pas, alors malheur à nous. Amen. Pour ce peuple, Dieu a dit, je veux répandre mon esprit. Son esprit devait être répandu pour ce peuple. Pour qu'ils soient conduits selon l'esprit. Et non selon leurs désirs. Et non selon leur comportement, selon leur agissement. Mais il a dit, je veux répandre mon esprit. Quand l'esprit de Dieu est en nous, nous marcherons plus selon nous-mêmes. Mais c'est Christ qui vit en nous et nous fait conduire comme il veut. Amen. Amen. En cela, cherchons à ce que nos cœurs de chair, acceptons que Dieu vient ce matin. Oui Seigneur, je veux recevoir de ton nom. Oui Seigneur, je veux que ton nom soit sanctifié. Oui Seigneur, je veux offrir mes membres, non plus au péché, mais mes membres à la justice pour mon Dieu. Amen. Amen. Pour mon Dieu. En cela, Dieu a dit, je veux multiplier vos blés. Il a de telles promesses si agréables pour nous. Il a de telles promesses si agréables qu'il veut les répandre dans nos vies. Il a dit au peuple israélite, moi je veux multiplier vos blés. Je vais vous ramener de là où vous étiez pour vous rétablir. Je vais mettre la cultivation sur vos terres là où c'était dévasté. Je vais vous rassembler, mon peuple. Israël, dans Jérusalem, vous étiez dépeuplé. Le peuple était dépeuplé. Dans Jérusalem, il n'y avait presque plus personne. Bien-aimé, notre Jérusalem est dépeuplé. S'il est dépeuplé, l'Éternel ce matin, il a dit, je vais vous repeupler. Amen. Amen. Il va nous repeupler comment? Comme
comme j'ai dit tout à l'heure, tantôt il n'y a plus rien de qualité de bon en nous que le Seigneur avait mis avant. Tantôt nous sommes à vide, nous sommes vides, nous n'avons plus rien. Alors l'Éternel veut repeupler Jérusalem. Les trésors là qui étaient dans sa maison, il veut les remettre. Tous ces biens là qui étaient dans la maison de Jérusalem, il veut les remettre. Tantôt nous avons perdu les biens de notre Seigneur. Nous avons perdu les biens de notre Seigneur au Jérusalem. Alors le Seigneur a dit ce matin, je veux vous repeupler. C'est comme ça. Cela veut dire qu'il va remettre tantôt les qualités que nous avons perdues, les dons que nous avons perdus, la puissance que nous avons perdue. Amen. Amen. Il y a des serviteurs, on est là, on prêche, on prie, mais il n'y a plus rien en nous. Parce que l'Éternel nous a dépeuplés. Parce qu'il a dépeuplé Jérusalem. Alors il veut nous repeupler. Telle est sa promesse ce matin pour nous. Amen. Amen. Telle est sa parole pour nous ce matin. Mais il a dit quoi? Ayons honte de nos conduites. Parce que quelqu'un qui est m'en fout, il va toujours continuer à marcher selon lui, selon elle, selon sa volonté. Mais lorsque nous avons honte, nous allons dire, ah, je me suis mal conduit de cette façon. Laisse-moi avoir honte. Laisse-moi revenir à Dieu. Laisse-moi revenir à Dieu. Laisse-moi demander vraiment pardon. Mais quelqu'un qui est m'en fout, fait tout ce qui lui semble bon. Et c'est le diable qui est m'en fout. Amen. Si nous voyons que non, nous en tant que serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes m'en fous. C'est parce que nous voulons être conduits par le pauvre diable. Mais si nous ne sommes pas m'en fous, nous avons honte de ce que nous faisons. C'est agréable, amen. Amen. Parfois, nous faisons que nous puissions nous remettre en question. Pourquoi je me conduis comme ça? Regarde mes conduites, regarde ma façon. Regarde comment je suis en train de me présenter devant mon Dieu. Mais mon Dieu a dit encore ce matin, il veut venir pour moi. Quelle grâce! Quelle grâce, mes bien-aimés! C'est une opportunité ce matin. C'est une opportunité encore de recevoir, d'accepter de la part du Seigneur. Nous qui étions dévastés, nous qui étions en ruine, nous auxquels nous produisons plus rien de bon. Nous ne produisons plus dans nos vies chrétiennes. Alors le Seigneur, il veut nous repeupler. Il veut remettre ce trésor-là. Il veut remettre ces qualités-là. Il veut remettre toutes ces bonnes choses-là en nous. Amen. Amen. Et il veut multiplier. Bien-aimés, nous allons être prospérés spirituellement. Et en spiritualité, nous devons être prospérés. Amen. Car la prospérité, la bénédiction physique, nous la trouverons que en spirituel. Amen. Nous la trouverons qu'en Jésus-Christ. Amen. Tant que nous ne sommes pas prospères, nous ne sommes pas bénis spirituellement et physiquement non plus. Amen. Amen. Cherchons d'abord à être bénis spirituellement. Et ensuite, physiquement, nous allons voir, nos maisons seront remplies. Amen. Amen. Nos vies seront remplies. Nous ne manquerons de rien physiquement. Que le diable ce matin qu'il veuille ou pas, pour toi et pour moi, la grâce est là. Oh Jésus, la grâce est là pour nous. Profitons. Venons à lui. Approchons-lui. Revenons à Jérusalem. L'Éternel est prêt pour nous. Il est prêt pour nous pour pouvoir agir dans toutes les façons, bien-aimés. L'Éternel a dit, moi l'Éternel, je rebâtis ce qui était détruit. Est-ce que le pauvre diable peut rebâtir ce qu'il a détruit? Lui, il nous détruit, il nous laisse comme ça. Mais Dieu, notre Seigneur, notre amour, lorsque c'est détruit, il est en train de rebâtir. Lorsque Nabuchodonosor vient détruire, Dieu est là pour nous rebâtir. Amen. Amen.
Il a dit, je plante là où c'est dévasté. Oh, notre terre est dévastée, bien-aimée. Est-ce que, avant cela, avant que l'Éternel puisse nous parler, est-ce que vraiment nous pouvons s'aimer sur nos terres? Est-ce que nous pouvons toujours s'aimer sur nos terres? Oh Jésus. Mais l'Éternel a dit, là où c'est dévasté, ça va pouvoir être cultivé. Ça va pouvoir être cultivé. Car moi, l'Éternel, je plante. Qu'est-ce qu'il veut encore planter à nous? Qu'est-ce qu'il veut encore planter sur nos terres, bien-aimés? Qu'est-ce qu'il veut encore planter dans sa ville de Jérusalem? Mais toujours regardons nos conduites. Revenons à Jésus. Revenons à Dieu. Pour que notre Seigneur, notre Dieu, nous fasse prospérer spirituellement et matériellement. Une chose, il a dit, ce commandement n'est pas dans le ciel. Ce commandement n'est pas loin de toi. Ne dis pas, ce n'est pas par ma force, ça ne sera pas par ma force. Mais c'est là, près de ta bouche, près de ton cœur. Au contraire, venons à Jésus ce matin. Venons à lui ce matin. Approchons-lui. Et lui, il nous approchera. Parce que c'est sa promesse. Parce que ce sont ses paroles. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir. Il est fidèle. Et ce qu'il a dit, il le fera. Certainement, si nous nous approchons à lui, si nous avons honte de ce que nous avons fait et nous voulons abandonner. Il a dit, celui qui est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Alors, ce que nous étions tantôt ce matin, il y a eu des blocages dans nos vies, il y a eu la famine dans nos vies, il y a eu les désastres dans nos vies. C'est passé, bien-aimé. Disons-le, c'est passé. Ce matin, pour moi, ça va passer et c'est passé. Parce qu'il a dit, je suis une nouvelle créature, je viens à lui. Alors, tout va passer pour moi ce matin. Amen. Amen. Tout va passer pour moi ce matin. Car je suis en Jésus-Christ. Voyons nos vies, nos difficultés, nos problèmes, nos soucis passeront, bien-aimés, si nous venons à l'Éternel. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce matin, pour toi et moi, tout va passer. Là où tantôt, le diable a joué avec nos esprits. Là où le diable a joué avec nous. Mais il faudrait que nous puissions nous approcher vers ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il a dit encore pour terminer dans le livre d'Ésaïe 43? Verset 18-19. Amen. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Bien-aimés, pour ce peuple israélite, si nous lisons la parole de Dieu, ils étaient revenus à Jérusalem parce que c'était la parole de Dieu. Parce que l'Éternel avait déjà promis. Parce que l'Éternel a dit que non, je ne vais pas profaner mon nom, je vais sanctifier mon nom. Ce n'est pas à cause de vous que je vais le faire, mais c'est à cause de moi-même que je vais vous ramener. Et à cause de notre Seigneur, notre Dieu, ce matin, il veut nous ramener. Alors ne pensons plus aux événements passés. Ne pensons plus que non, moi j'étais comme ça. Ne pensons plus que non, ma vie était comme ça. Ne pensons plus que non, je manque de ci, je manque de ça. Ne pensons plus. Ce sont les choses anciennes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un cœur de chair. Pourquoi? Parce qu'il a renouvelé nos cœurs. Amen. Amen. Il nous a donné un cœur nouveau, si nous l'acceptons. Les choses anciennes doivent passer. Les choses nouvelles. Il a dit dans la solitude,
il va mettre un chemin. Dans le désert, il va mettre un chemin. Telles sont les promesses et la parole du Seigneur ce matin. Mais nous reconnaissons seulement que non, nous sommes mal conduits, alors revenons à Jésus-Christ. Bien qu'il a dit, ce n'est pas à cause de nous. Parce que si c'était qu'à cause de nous, jamais il va mettre un chemin dans le désert pour nous. Jamais il va remettre ce qui était en ruine. Jamais il va rétablir ce qui était abîmé. Jamais il va rebâtir ce qui était détruit. Amen. Amen. Mais par la grâce, bien-aimée, saisissons cette opportunité ce matin. Saisissons-la bien, car elle est vraiment devant nous, par la grâce du Seigneur, pour que nous puissions toujours contempler le bonheur du Seigneur, la grâce du Seigneur, la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Moi, personnellement, j'ai eu ma part. Et je suis vraiment béni. Et je bénis aussi le Dieu créateur qui nous a fait sa grâce aujourd'hui à cette heure-ci afin que nous puissions écouter sa belle parole à travers sa servante. Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen. Tu m'as bougé. Vraiment, tu as bougé toutes les parties de mon corps. Viens, je vais prier pour toi. Père éternel, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui bénit. Seigneur, c'est toi qui as voulu que ce soit ainsi. Bénis, papa, cette fille. Bénis ta sœur. Elle a une grande source de la bénédiction à travers, papa, cette ville, à travers sa famille. Je sais que, Seigneur, tu feras de grandes choses dans sa famille, dans son environnement, à travers cette sœur. Jésus, bénis-la quand tu vas de plus. Laisse que tes bénédictions à toi puissent inonder dans sa vie, dans le nom de Jésus. Commence-toi maintenant à recevoir des bonnes choses, des grandes choses venant de l'Éternel. Remplis-la, Seigneur Jésus, de ta puissance. Remplis-la de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, reçois-la maintenant au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, l'onction de Dieu abonde sur toi. Afin que tu puisses libérer la parole de Dieu droitement au nom de Jésus et avec à toute la vérité. Reçois l'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. Afin que tu puisses libérer la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rappela. Rappela de ta puissance. Je suis fortement péché. Je suis fortement béni. Au nom de Jésus. Allez, reçois. 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 Au nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi d'elle. Il n'y a plus de condamnation qui sont à Jésus-Christ. Elle est ta fille. Elle est ta servante à toi. Je sais que papa, ce que toi tu as dit, et ce que tu as promis, papa, de sa vie, ça va s'accomplir. Ça s'accomplira, certainement. Et ça accomplit. Parce que ta parole nous dit, ne se va que par la foi, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois cela. Amen. Amen. Notre Dieu merveilleux, il est vraiment bon. Dieu nous a parlé ce matin à travers sa servante. Parce qu'il a de grandes choses dans nos vies.
Il voulait faire de grandes choses dans nos vies. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Cherchons-nous, faisons-nous l'effort afin que nous puissions se réconcilier avec ce Dieu-là. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il voulait encore de nouveau nous tirer là où on était. C'est lui qui a permis que le roi Nabucodonosor puisse venir assiéger dans nos villes, dans notre ville. Amen. Amen. La ville que la parole de Dieu nous parle, c'est notre cœur à nous. Amen. Amen. Si quelqu'un prend la place là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, automatiquement la personne, il prend contrôle de tous nos corps. Amen. Le pays. La ville est à l'intérieur du pays. Amen. Amen. Alors cette ville-là, c'est notre cœur. C'est là que Jésus-Christ habite. Amen. Amen. Cherchons-nous par tous les moyens de nous réconcilier avec ce Dieu. Il ne voulait pas nous faire du mal. Parce que la parole nous dit, Dieu nous a créés par son image. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, en réalité, et avec toute la vérité, Dieu n'a pas maudit l'homme. Amen. Amen. Dieu n'a pas maudit l'homme. Parce qu'il avait créé l'homme par son image. Dieu avait maudit le serpent. Il a augmenté la souffrance à la femme. Mais quant à l'homme, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il avait maudit le sol. Dieu nous a créé par la poussière. Amen. C'est la même qu'aujourd'hui. Dieu ne veut plus que nous périrons. C'est pour cela qu'il a eu encore la compassion en nous. Il voulait encore nous tirer. Il nous a tirés. Juste nous, ce que nous devons faire aujourd'hui, à cette heure-ci, de nous réconcilier avec ce Dieu-là. Mettons la parole de Dieu en pratique. On peut bien prêcher la parole de Dieu. On peut bien prier Dieu. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas à nous, si le roi de Nabucodonosor, le roi de Babylone, assiège à nous dans nos villes, mais ce scandale, un grand problème. Nous allons dégager que l'impureté était des impuretés. Amen. Amen. Pendant que notre Dieu est saint, il nous a rachetés en un grand point. Il voulait nous purifier. Il ne voulait pas que nous restions toujours dans la même position. Que ce soit spirituellement ou physiquement. Amen. Amen. Nous suivons un programme là de 45 jours. Il nous reste ces 15 ou 14 jours de jeûne. Nous avons bien commencé. C'est depuis le 16 décembre de l'année passée, 2009. Nous allons bien terminer le 30 janvier 2010. Alors, profitons-nous de marcher, toujours d'être à côté, toujours d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, pour que ce Dieu puisse faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà eu ma part. Avant même le 1er janvier, Dieu m'a déjà comblé ses bénédictions. Amen. Amen. Et hier, dans la journée, j'ai eu encore d'autres bénédictions. Amen. Amen. Je connais mes conduites. Amen. Il m'a fait grâce. Je le dis souvent. Il fera toujours sa grâce. Il communiquera toujours ses bénédictions à ceux qui ont la crainte de sa parole. Amen. Amen. Marchons-nous à sa présence. Cherchons-nous à voir
la bonne conduite. Amen. Comment comptions-nous? Notre conduite à nous vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos prochains. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me rappeler le thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Ayez honte de vos conduites. Ayez honte de vos conduites. Ayez honte de vos conduites. Comment nous conduisons devant notre Dieu? Notre conduite est comment vis-à-vis de Dieu? Notre conduite est comment vis-à-vis de nos prochains? La situation que nous en avons, les situations que vous en avez, ça répond par rapport à votre conduite. Amen. Les malédictions que vous en avez, ça répond par rapport à votre conduite, à nos conduites. Amen. Amen. C'est pour cela que le Dieu vivant appelle des Babyloniens, appelle des siégés dans votre corps, dans vos villes. Amen. Amen. C'est catastrophe. Si Dieu est en train de nous livrer dans les mains du diable. Amen. Amen. Il y a la différence. Quand Dieu a livré son peuple en Égypte. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. Parce que Dieu livre son peuple en Égypte juste pour son peuple avoir la formation. Amen. Amen. Pour que Dieu puisse faire voir au monde qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Amen. Mais pendant que nous, qui avons la connaissance de Dieu, que Dieu nous a fait passer de la mort à la vie, si nous avons la connaissance en Dieu et Dieu nous livre entre les mains des Babyloniens, des Pharaons, des Goliath, c'est très grave. Là par contre, Dieu avait envoyé l'un de ses frères qui était Moïse afin de libérer son peuple là où il était. Ils avaient suivi leur formation à l'Égypte. Amen. Amen. Mais par contre, nous, Dieu lui-même a dit qu'il descend juste pour nous tirer. Lui-même nous a livrés entre les mains du Pharaon, des Babyloniens. Suite à nos œuvres, suite à nos crimes. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, mon oreille n'est pas dure pour entendre. Ma main n'est pas courte pour vous toucher. Ce qui empêche que l'oreille de Dieu ne puisse pas écouter nos prières à nous. Ce qui empêche que la main de Dieu ne puisse pas tendre vers nous. C'est à cause de nos crimes. Amen. Amen. C'est à cause de nos conduites. Amen. Amen. Réparons nos conduites. Nos comportements à nous, nos habitudes à nous. Nous nous conduisons mal vis-à-vis de notre Créateur. Le nom de Dieu est profané. Pendant que la Bible nous dit, il est trois fois saint. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas si là, sous les tombeaux. Mais ce que nous faisons là, c'est pour tester le Saint-Esprit. C'est pour tester le roi des rois. C'est pour tester le Créateur. Amen. Amen. Ayez honte de nos conduites. Ayez honte de nos comportements. Ayez honte de nos œuvres. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. La Bible déclare, fuyons les publicités. Joseph avait pris fuite devant la femme de Potiphar. Mais aujourd'hui, nous, en tant que des serviteurs, des servants de Dieu,
le fidèle de Dieu, on est le premier d'embrasser l'impudicité, l'iniquité. Amen. Amen. Automatiquement, nous tristons le Saint-Esprit, nous tristons notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Il te comblera de grandes choses. Il fera de grandes choses dans ta vie. Je le dis et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Il visitera ta famille à travers de toi au nom de Jésus. Et il fera de grandes choses dans ta famille à travers toi au nom de Jésus. Amen. Je le dis et je le déclare. Je suis la bouche du Seigneur. Amen. Amen. Laisse que la paix de Dieu inonde ta mère dans nos vies. Amen. 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 Alors, je vais encore une fois de plus inviter la servante de Dieu, celle qui a prêché aujourd'hui, pour la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, j'invite tout le monde. Même ceux qui suivent ce message par le moyen de l'Internet, ce que Dieu m'a mis au cœur de vous communiquer, juste de nous retourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Repentons-nous. Il est le Dieu juste. Il est vraiment miséricordieux. Il est prêt de nous pardonner. Restituons ce qui est du diable. Repentons-nous. Réconcilions-nous avec Dieu. Cherchons la face de Dieu. Au lieu de chercher la face de ce monde. Cherchons-nous les œuvres de Dieu. Au lieu de chercher les œuvres de ce monde. Ce monde passera. Mais le Dieu ne passera jamais. Le Dieu créateur ne passera jamais. Amen. La Bible déclare, cherchons d'abord le royaume des cieux et le reste, il nous sera donné. Amen. Que par lui le Saint-Dieu. Alors repentons-nous. Amen. Repentons-nous. Ayons honte de nos conduites, de nos comportements, de nos habitudes. Qu'est-ce que nous gardons encore? Le péché chéri là dans nos cœurs. La haine, la jalousie, la colère, l'impudicité, l'adultère ou quoi? Restituer toutes ces choses-là vis-à-vis du diable. Ce ne sont pas les richesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vient, je dis souvent. Or que Dieu a mis le pauvre diable sous le pied. Amen. Amen. Glorifions notre Seigneur Jésus-Christ au lieu de glorifier le pauvre diable qui n'a rien fait pour nous, qui n'a rien créé dans ce monde. Lui-même était créé par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ennemi vaincu depuis sur la croix. Amen. Amen. Dieu nous a dépliés. Donnons gloire à notre Dieu. Restituons ceux qui ont du diable, ceux qui sont du diable même. Parce que si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que c'était toute l'armée des Babyloniens qui était venue siéger à Jérusalem. Amen. Amen. Ce n'était pas lui, c'est le roi. Le roi était venu avec sa suite. Amen. Amen. Avec son armée. Donc c'était nombreux. C'est pour cela que quand on dit, s'il y a un esprit, s'il y a un esprit démoniaque dans ta vie, il y a aussi des petits esprits démons derrière eux. Amen. Donc, il n'était pas lui seul. Si tu es conduit par le maman ou par Païmon, sache-toi qu'il y a aussi des petits démons derrière eux. Alors, restituons toutes ces choses-là vers lui seul, le pauvre diable. C'est ses œuvres à lui. Amen. 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 Alors, la sœur Guette, que Dieu te guide afin que tu puisses faire la prière selon la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Prions au nom de Jésus, le Dieu agréable, le Dieu redoutable, le Dieu merveilleux. Seigneur, merci pour cette occasion, opportunité que tu avais permis
que moi, ta servante, que je puisse parler de ta part pour ton peuple, Seigneur. Père de gloire, bénis, Seigneur mon Dieu, à travers cette parole. Et laisse que Père de gloire, Papa éternel, cette parole puisse demeurer éternellement, Seigneur mon Dieu. Et qu'elle puisse bénir, Seigneur, encore Père des saints, mais mon Dieu, Yahweh, Papa, tous ceux auxquels nous allons côtoyer, Seigneur. Papa, merci encore une fois de plus, Yahweh, Papa, de tout ce que tu as promis, Seigneur, ce matin pour nous. L'honneur, la puissance, la gloire soient rendus à ton nom. Et continue, Seigneur Jésus-Christ, à m'utiliser, Père de gloire, afin que je puisse pas manquer des mots la prochaine fois, Seigneur mon Dieu, lorsque je vais m'approcher devant ton peuple. Seigneur, rends sensible, Père, d'où c'est sorti en provision, Père de gloire, que je puisse toujours, Papa, parler venant de toi. Oh, la puissance me soit répandue, Seigneur, ton onction, afin que, Seigneur mon Dieu, ta parole sorte toujours avec efficacité, changement, bénédiction. La puissance soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur.